Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Mars TV, la chaîne du Japap du Bérin. Oui, nous on est là, nous les soi-disant blogueurs, on répond toujours présent. On va faire comment? On a encore quoi à faire? Et vraiment, on vient ici vous donner un peu quelques bérets et en passant on s'amuse aussi. On s'amuse en commentaire et tout. Hein la famille? Cataléa. Vous vous souvenez de Cataléa, l'une des filles qui était au restaurant. Vous vous souvenez de l'affaire de que Arcel était au restaurant avec Jemima Kokonzoni et Cataléa et Tifounette et une autre fille là, qui a fait le buzz. Les gens, les Congolais sont sortis. Non, laisse Jemima en paix. Wow, wow, ce que tu as fait à Kimi. Wow, wow, wow. Kimi est venu les refroidir. Mais elles sont, hey, elles sont même où, non? Les Congolais sont où? Quand il dit les Congolais, c'est pas tout le Congo. Hein. Vous connaissez les Congolais dont je veux parler, la bande là. Elles sont où? Elles sont perdues dans la nature. Elles sont où? Bon, en tout cas, c'est même pas de ça qu'on va parler aujourd'hui là. C'est que Cataléa, une fille qui était jolie comme ça, oui, oui. Avec un teint noir, oui, naturel, là. Oui, vous savez que Arcel, lui, il aime les filles qui sont naturelles, oui. Ah, peut-être c'est pour cela que Kimi ne fait plus trop le make-up comme avant. Hein. Vous n'avez pas remarqué que Kimi n'est plus trop make-upeuse comme avant? Oui, elle devient de plus en plus naturelle, comme son père a dit. Oui, ça peut... la famille, ça me fait réfléchir, hein? Non, en tout cas, ça va. Bon, cette fille-là, alors, a déclaré sa flamme à Arcel Méril. Oh, Arcel Méril, on sait que tu es une personne très importante pour moi. Oh, on sait que j'aime quand tu m'écris. Oh, quand tu m'écris ma vie. Oh, ma vie n'a pas de sens en toi. Hé, hey, les déclarations de ça. Je vous mets ta vidéo. Après, je vous reviens. Pour les commentaires. C'est chaud. She said she want me back. I never paid a promise of a faithful tire. To the day she got me cold. I thought she was a... Non, ça perd le temps. Alors. Coucou Arcel, ça va? Tu sais, je voulais te parler. J'ai pas eu l'occasion parce que je sais que tu es très 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 chargée. En fait... Je voulais te dire que tu es quelqu'un de bien et je suis contente de t'avoir dans ma vie. Tu comptes énormément pour moi. Tu sais, parfois, j'ai du mal à déclarer, à dire ce que je ressens sincèrement. Mais là, j'ai pris le courage de te le dire. Tu es quelqu'un de très important pour moi et ne change pas malgré tout ce que les gens peuvent dire sur toi. N'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui tient à toi. Et quand tu ne m'écris pas, je me sens vide. J'attends juste ton message. Quand tu m'écris, et tout va mieux dans ma vie. Voilà. Sache qu'il y a quelqu'un qui t'apprécie énormément. Et j'aimerais que tu penses à moi tout le temps. Voilà. Ils ont bien pris. Vous avez écouté, non? Arcel, tu as quoi, non? Dis-moi. Donne-moi le secret. Mais en tout cas, non, c'était un gage. Vous savez, maintenant, c'est le système des gages, là. Sur TikTok, maintenant, c'est en mode maintenant. Oh, tu payes, il faut faire quelque chose. Tu joues avec quelqu'un, tu payes. Il te dit, fais ceci. C'est comme Bovan passe le temps à faire ça avec l'autre, avec Maessa. Oh, tu payes, on joue, tu payes, écris mon nom sur tel et fais ceci, cela. C'est monté, descendu. Donc, c'est ça. Donc, Cataléa a perdu. On l'a demandé. Qu'est-ce qu'on l'a demandé? Les Bovan, les consorts Bovan. Il y avait qui la Bovan, Tifounette et l'autre, c'est Boba. Oui.
Bouba, ils ont demandé de faire une déclaration d'amour, oui, à une personne. Et c'est qu'ils ont choisi Axel. Mais la façon, même comme c'était un gage, mais la façon dont cette fille a fait ça, vous avez vu, ça, regardez l'expression qu'ils se sont regardés. Cette fille était sincère. Voilà pourquoi l'autre s'est mise à danser. Pour voir, il a vu que non, la déclaration, c'est, ce n'est pas un truc simple. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas seulement le gage là. Non. Et je sais pourquoi ils ont choisi Arcel. Parce qu'ils savent, ils soupçonnent que cette fille est amoureuse d'Arcel. Oui. Elle n'arrive pas à le dire, mais elle est amoureuse. Donc ils ont profité de ça pour faire ce ressortir. Bovan, tu es un bandit. Hein? Bovan, c'est un bandit. Attention. Gala est malin. Oui. Elle est partie creuser sa queue. Bon, comme tu ne veux pas déclarer, on va te faire déclarer ça. Ah, yeah, la famille. C'est chaud. Arcel a encore du pain sur la planche. Genre que tu as l'amitié. Aïe, parfois tu fais l'amitié. Non. Par propre expérience, c'est souvent difficile. Hein? Tu fais amitié, tu as amitié avec une fille, tu sais que non, c'est mal, ta pote, mais elle est amoureuse de toi. Tu dis, ouais, tu vas gérer ça comment? Et en plus, elle est jolie, tu vas faire comment? Entre l'amitié et le mogoli, tu choisis quoi? Tu te retrouves entre le marteau et l'enclume, hein? N'est-ce pas, la famille? Merde. Arcel, non, mais Arcel, il est figé, non. Il connaît ce qu'il veut, il connaît ça. Donc, quand il est concentré, comme il dit souvent, on reste concentré, la famille, on reste concentré, la team. C'est ça, on reste concentré. Il y a souvent les petites distractions là, oui. Si elle veut tomber amoureuse, elle est libre de tomber amoureuse, oui. Mais tu peux tomber amoureux de qui tu veux, mais tu n'es pas obligé d'attendre quelque chose en retour. Comprenez, non? Parce que parfois, que de gâcher une belle amitié, de s'engager dans les trucs, de commencer à faire le mougoulé, après la relation se gâte, après vous devenez même seulement les ennemis, vous commencez à vous insulter sur TikTok. Parfois, il faut souvent garder certaines limites. Vous comprenez la famille, c'est mieux de garder certaines limites parce que ça devient que wow, 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 ceci. Wow, ça vient que tu ne mouilles même pas. Ça devient que wow, 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 ton truc est petit. Wow, 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 ça veut dire que ça ne se lève même pas. Ça veut dire que wow, 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 tu as les tâches aux fesses. Wow, wow, wow. Vous voyez un peu. Pourtant, quand vous étiez amis, c'était tout chic. Mais quand l'histoire de Sanka, ils sont entrés là, ça gâte tout. Ça gâte tout. Quand l'histoire de Sanka, ils sont, quand vous avez déjà vu les deux sans habit là, le respect est fini. Le respect est fini. Donc, même si vous redevenez amis là, le respect là, c'est fini depuis. Oui, c'est fini. Parfois, les gens ne connaissent pas souvent les limites. Essayez ça un jour, vous allez voir. Quand vous allez essayer, vous voyez que bon, le respect est fini et tout ça. Maintenant, la prochaine, vous apprenez. La prochaine fois, quand vous êtes ami avec une fille là, que vous voyez que non, son amitié t'apporte plus que si vous étiez dans le mougoulé. Après, vous avez fait le mougoulé, vous savez que c'est des relations sans futur. Vous allez mougou et puis quoi? Pour une partie de plaisir, de jambes en l'air, bon, vous gâchez une amitié qui dure des années et qui pouvait encore durer des années. Les amis que non, quand tu as un petit problème, tu dis, wow, tu appelles, tu dis, wow, j'ai un petit problème là, Iko, il vient. J'ai les amis comme ça, que ce soit fille ou garçon, que j'appelle n'importe quelle heure là, ici, que... Ah, j'ai un petit problème là, j'ai ceci là, j'ai une urgence. Ils vont se réveiller, quoi, ils viennent. Oui. Même chose, moi je fais la même chose pour eux. Mais quand vous mettez le mougoulé là, ça va engâcher tout là. Vous voyez, vous perdez ça. Il faut toujours avoir les gens dans votre vie que tu sais que je peux compter sur cette personne. Si je suis dans telle situation d'urgence, je peux compter sur telle personne. Oui. Il faut toujours ces gens-là dans la vie. On a-tu besoin? Quelqu'un tue quelqu'un derrière quelqu'un. Personne n'est indépendant ici là. Je suis indépendant, non, tu dépends toujours de quelqu'un. Toi qui travailles même là, tu dépends de ton patron. Ton patron te paye, oui. Pour aller au travail, tu dépends du bus que tu prends, du chauffeur du bus. Donc on dépend toujours de quelqu'un.
Même ceux qui venaient, je fais mon argent sur TikTok. Oui, tu dépends de ceux qui entrent dans TikTok pour voir tes lives et qui te font générer les bénéfices, les entrées sur TikTok. Tu dépends de ces gens-là. On est-tu dépendant de quelqu'un des gens? C'est comme ça le monde se fonctionne. Tu t'habilles, mais tu dépends de celui qui fabrique ces habits-là pour que tu t'habilles et tu sois beau. C'est comme ça. Personne ne va dire que je suis indépendant, je suis ceci. Le mot indépendant là, on utilise ça à tort et à travers, mais je crois qu'on doit redéfinir ça, hein? Oui. Donc, en tout cas, la famille était juste un clin d'œil du côté de Kataléa, et Bovane, et Tifounet, et consorts, ouais. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo, hein? Bisous et hasta prontito. Ah, c'est chaud. La journée commence bien. Hein?